Ah ouais, tabarnak. Ah ouais, ah ouais. C'est pauvre le père. Quel connerie. C'est donné en estime, qu'on livre. C'est beau le page. Mec, pour toi. C'est ça que les gens ont eu. Des espacheuses. Merci. Des espacheuses. Si vous sous avez chat, des. Les gars, si... sous chat, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des mèmes que vous pouvez nous emmener, là. Que... Ouais, excuse, vas-y. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir les commentaires intelligents, mais le seul que je vois, c'est RIP Collé. Ouais. Pour le monde qui nous écoute en différé ou peu importe, RIP Collé, c'était un bar du village à Saint-Prosper qui n'est plus la gratte. On a tout gratté ça, puis il n'y a plus rien qui existe chez Collé. Nos souvenirs, man. Nos souvenirs enterrés. Ce n'est plus, man. Malade. Après ça, qu'est-ce qu'on dit? Hey, Max, c'est-tu normie, ce jeu-là? Lequel jeu? Ah, le jeu de... OK, ouais, quand tantôt qu'on parlait de Ring Fit, en effet. Puis je l'ai dit que c'était un petit peu normie, oui. Mais c'est le fun, quand j'ai pas le doigt. Les doigts, Chris, les doigts. Les doigts, mécanicien. Les doigts. Yes, elle ouais, mon petit canaliste. C'est droit d'être normie, Max. Ben oui, moi... Ça me prend à peu près 25 minutes pour faire une chanson. Fait que riff, écœurez-moi pas. Hein? On rajoute de la merde. Shoot le... OK, non, ça c'est moi qui ai dit. D'ailleurs, les gars, si vous avez des memes, des affaires que vous aimeriez que j'utilise sur le soundboard, à part JF virtuel que je vais continuer très bientôt, vous m'enverrez ça. Si vous avez des affaires aussi que vous voulez qu'on regarde en post-stream, si vous avez Discord... Ça vous tente-tu de jaser en direct? Si vous avez Discord, je pourrais vous shooter le lien. Très ouais, là. Ben, un jour, pourrait participer avec ah sa, ouais? de vive voix et de son aussi. Je vais toujours envoyer le lien, du Discord à chaque fois. En fait, il va être dans la description pour Podbean, description YouTube, et je vais l'envoyer dans le chat à chaque fin d'émission. Là, c'est pas pour les doux. Invite members. Je veux un lien qui n'expire pas. Ou plutôt, fuck it. On va en coller un drap là. Fuck. Cliquez là-dessus. En plus, on pourrait le tester. Ça serait malade. Si vous avez 30 secondes, ça fonctionne, les gars. Ça serait cool qu'on pourrait tester ça là pendant que Mick nous parle de ça. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Comment t'as fait, Mick, tantôt? T'as cliqué sur le lien, t'as mis ton username et d'être. J'ai mis mon nom, je pense. Il me demande quelques données, mais t'es pas obligé de tout répondre de ce que j'ai compris là. Okay. Toi, ça marchait sans tout ouais. Répondre. Je vais vous voir apparaître comme là, vous voyez à l'écran, c'est le Discord ici. Peut-être oh, pas. Mathieu qui vient de se joindre. Oh, Mathieu, t'es à drette à temps pour le post-stream. Comment ça va, mon Matt? Toi, je sais pas si ta connexion te le permettrait. Essaye de cliquer sur le lien et de faire ton Discord. Voir, restez. On pourrait tout tester ça drette là, ça serait canné. On pourrait voir si ça fonctionne, si on vous entend bien. La manière que ça marche, et une fois que vous rentrez, vous cliquez sur les voice, sur vous avez les channels à gauche, et vous pouvez cliquer sur voice channel pour rentrer dans le général. Tao. On pourrait faire des lignes ouvertes après les games de hockey. Ouais, ouais mais c'est ça. Tain, Odette Steven vient de se connecter. En plus, Ron a pris sa retraite. Mm-hmm. Fait que là, moi, si je m'unmute... Ah, oh, OK, attendez une minute, il faut que je configure mes settings. Use your microphone, bien sûr, que tu vas utiliser mon microphone, mon cher ami. un fameux ami. Un fameux ami. Donc, ce sera pas bien long, mon... Ah! Là, tu peux... Ven, tu peux cliquer dans Général. Oh! T'es-tu... Oh! Pardon, mon Ven, je pense qu'on t'entend. Un petit qui, toi! Tain, c'est aussi simple que ça, man. Ça rentre, tu cliques dans Général, puis t'es là. Fait, Kevin, est-ce que t'as trippé sur l'épisode aujourd'hui? Dis-nous à quel point qu'on est bon. Hey, ferme ton feed en arrière! Ferme ton feed en arrière, écoute-nous. Ah, oh, j'ai pas d'écouteur, là, veux. Ben, tu fermes rien que le son de YouTube, je pense. Écoute, c'est à la TV. Ah, OK, Chris, c'est pratique en baptême. Là, c'est pas si tant pire. Le son est quand même bon, man. C'est débile. Ah, c'est bon. Ouais. Ça... Non, ma blonde, on a fait découvrir Discord, puis c'est la vie. Ouais, c'est... Fuck Messenger. Ouais, ouais, c'est malade, on peut jaser. Hey, j'écoutais aujourd'hui, là, une conversation, justement, sur Discord, du Drama Channel, où ce qui était 25 dans une conversation.
Puis genre, tu rentres dans un channel, puis là, l'admin, il démute qui veut qui parle, là, mais toi, tu peux rentrer là en espérant qu'à un moment donné, qu'il te démute, tu peux jaser, puis c'était du drama non-stop, c'était débile, là. Ouais, vraiment cool. Fait que Riff, t'as-tu un commentaire que tu voudrais nous dire, là, sur... toi, c'était pas toi, c'était David qui jouait à Ring Fit. Tu trouves-tu ça... trouves-tu ça normie, toi? Ben moi, j'ai vu, je sais pas, David, il est pas là, on dirait, il est pas dans les commentaires, il est pas dans notre vocal, mais en tout cas, mais un de mes chums de good, ma blonde, lui, là-dessus, il s'en joue que le gars, là, il pèsait, qu'on a fait genre 500, 600 livres, puis à cette heure, il est rendu à 200, il était obèse, morbide, puis il utilise ça à cette heure pour même, c'est comme... s'entraîner, fait qu'il faut croire que ça sert à du monde. Pis ça fonctionne super bien, pis il trippe bien raide, c'est hot ça. Ben, c'est pas qu'il trippe à fond, mais tu sais, ça fait sa petite routine, pis c'est un gamer déjà en partant, fait que ça fait son affaire. Okay. Parce que, tu sais, le gars, il pourrait avoir vraiment comme, tu sais, obèse morbide, quand tu reçois ta chirurgie pour t'enlever, tu sais, ta peau qui a tombé, là, il pourrait avoir ça, fait que, ouais. Ben, crève, c'est vraiment cool. Tu veux-tu rester avec nous pendant que Mick nous parle de son super jeu? Je pense qu'il va trouver ça cool. Ouais, ouais. Bon, ben, écoute ça avec nous, puis tu renchériras. Mais Mick, parle-nous de ça. Là. C'est quoi ton super affaire? Ouais, man. Mais moi, sur mon écran, c'est fait. Bien. C'est fait. C'est fait. Attends un peu. Faut que je contrôle ici. Bon. Où suis-je? Où vais-je? Que regarde-je? Ça le prend, man. Ça le prend, Chris, dans le soundboard. Fait quoi, hein? C'est GB Studio. C'est le studio que je vous parlais, le petit jeu que j'ai acheté d'un studio indépendant de l'Angleterre, des Yingdin. Dragonborn. On a utilisé ce studio-là. Là, qu'est-ce que je vous présente? C'est un peu pas le template, mais le tutoriel. Qu'est-ce qui vient de base avec? Fait que tu peux voir un peu... les liens que ça fait. T'as-tu tout, une map que t'as écrit « fuck » dans l'eau? Oui, c'est ça. Fait que je veux juste vous montrer quelques petites manipulations que j'ai pu faire à date. OK. Que c'est très instinctif. On voit que tu prends ça au sérieux. ah oui. Vas-y. Fait que, bon, je vais juste vous commencer l'intro. Là. Je vais vous mettre « play ». Là, celle-ci, c'est l'image de Dr. Fecto. C'est une image que j'ai prise. Regardez ici à ma droite. Je sais pas, j'ai-tu le contrôle clic, marche-tu là-dessus? Non. Hein? Pas dire, mon pote. C'est ça. Fait que c'est à fond. J'ai pris une photo de Max qu'il avait sur son Facebook, puis je l'ai mis en résolution pour qu'elle puisse fitter dans une résolution de Game Boy. Et là, tu pèses sur play et tu peux commencer à jouer à ton jeu. Et il va-tu booter? Ouais, ça sera pas bien long. Ok, on est en train de voir le Discord. Désolé, c'est ma faute. Non, non, c'est moi, là. Okay. Attends un peu. Excuse-moi. OK, le Discord, là, je vais le mettre sur l'autre écran. Je pense que ça serait plus intelligent. Qu'est-ce que je pense, c'est que... Ouais. Là, j'ai partagé mon écran au complet. Le vois-tu, Max? Ouais. Ben, oui. Ben, c'est la même affaire que tantôt, là. C'est le jeu? Non, je vois pas le jeu. Ouais. Je vois pas le jeu. Non, je vois ton écran d'un bord, puis l'autre, c'est Narcisse, ouais. Mais il y a rien, genre, ton autre. Hangout. Toi, je te vois même plus depuis tantôt, d'ailleurs. C'est peut-être mon share screen qui est pas correct. Ah, oh, penses-tu que ça fait le même crise de problème que ça faisait l'autre coup? Que... OK! Je vais mettre mon share screen pour tout, là. Là, je te vois là. Écran. Okay. On va mettre l'intégrité de mon écran, ça va aller mieux. Bon, ah-ha. OK, GF Harrison Fine, mon gars. Good. C'est fou raide. Bon. Nice. Fait que ça, tu sais, ça c'est Max Fecto que j'ai comme numérisé pour pouvoir le mettre dans un jeu vidéo. Malade mental. Oh, on vient d'avoir quelqu'un ça d'autre. Ça me fait penser à... Le skull des Misfits. Ah, oh, ce sera pas long, on le voyait pas, là. C'est OK, désolé. Là, la gang, vous devriez être capable de le voir. Pendant que Mr. David se joint. Fait que c'est ça. Là, ça, c'est vraiment le jeu... Regardez ça, la gang, comment c'est beau. Le jeu à Michael. Ben non, mais ça, c'est le démo. Puis là, j'ai ça, man. J'ai même fait de quoi de crypter, tu sais, en arrière d'un arbre. Moi, j'aime ça, les choses cryptées. Fait que, tu sais, faut aller en arrière d'un arbre pour tomber dans une cave et trouver des choses. Fait que là, c'est ça, là. J'étais rendu là. Mais, tu sais, regarde, vois-tu, gold coin. Bon, j'ai trouvé un gold coin. Mais là, tu sais, ah, ben ça, j'aime pas ça, trouver un gold coin. Fait que, je vais retourner dans mon Game Boy Studio. Je vais aller voir c'était quoi cette histoire-là de gold coin qui était dans ce screen-là. Bon.
C'est qu'est-ce que tu trouves si tu cliques dessus, gold coin. Ouais, bon, ok, j'ai trouvé un gold coin. J'ai trouvé, exemple, un dildo. Fait un dildo? What? Puis voyez-vous ici, tu sais, là, ici, c'est ma map. Tu sais, c'est marqué fuck dans les temps. Ça, c'est moi qui ai fait ça dans un espace là, de total. Là, ouais, c'est... J'étais fou raide. On va modifier ça dans Paint 3D. C'est rated quoi, ça, là? Ce jeu-là, il va être raté comment, tu dis? Ouais. Non, man, c'est de l'avant-garde, là. C'est même pas ratable. Voyez-vous, regardez, là. Là, bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je vais prendre mon efface, puis je vais faire un gros cock. Je pense ça serait cool de faire un gros cock. Faire un gros cock. À quel moment tu penses qu'on va avoir une ROM qu'on va pouvoir jouer? Oh, ben, je pourrais t'en dropper une tout de suite, là. Malade en Christ. C'est quoi tu disais? J'ai entendu quelqu'un parler en arrière, je sais pas c'est qui. On va faire un gros cock. C'est peut-être moi. Ah, ouais, c'est quoi tu voyez, dis? C'est que je fais. Ça, oh, je sais. Des coques, mais personne fait des vulves. Oh. Excusez. Je save mon PNG. C'est des vulves. Save donc ça. Je save mon PNG qui est ici dans mes assets. Parce que voyez-vous un peu comment la fonction s'est faite. T'as tes assets. Tes assets. Ça, c'est mes assets. T'as les backgrounds. Et mes backgrounds sont ceux que tu les images de Dr. Affecto. Ça, c'est mon original. Les raisons que j'ai faites. Malade, même ta musique, j'ai pas encore commencé à travailler dessus, la musique, j'ai vraiment hâte de travailler là-dessus, ouais, voir c'est... comment ça réagit. C'est toi qui vas faire ta propre musique, ça va être débile, fait ça. Là, bon, on va aller voir si mon coq apparaît dans mon petit jeu. C'est ton coq! On va appeler. Ça a pas de bon sens, merde. Ce serait quoi le titre de ton jeu? C'est Dr. Affecto, le nom du jeu. Oui. C'est de l'avant-garde, un peu, hein. Docteur Fecto. C'est comme Docteur Mario, mais en moins normy. Ouais, mais t'avais pas un meilleur... Pas. Ouais, mais là, tu l'as fait en blanc, merde, on le voyait à moitié pas. Normalement, ça se peut qu'il soit... Parce que tantôt, j'ai essayé de regarder, puis je le voyais pas, vu que c'était un genre de coq blanc. Un peu, je veux juste vous montrer un peu, je veux faire une modification qui apparaît au moins à l'écran, là, tu vas le faire dans l'étang. Pas de trouble, moi je suis en train d'essayer de trouver comment enlever les sons du channel Discord pour pas qu'à chaque fois que quelqu'un se connecte, ça fasse pas. On va faire de quoi de très juvénile encore, on va faire 666 dans le temps, mettons. C'est quand même dans le canon. 666. Ok, dans le temps, ouais, on risque de mieux le voir là. 666. Hein, comme on était au primaire et au secondaire. Matt, joins-toi au Voice Channel, voir si ça marche. T'as rien qu'à cliquer à gauche dans Voice Channel. Tu vas joindre la même place que nous dans General. Je vais peut-être le changer de nom, là. Genre peut-être le Homo Hangout, de quoi de même. Fait que c'est ça, man. Mon paint, il va m'être utile, mais toutes mes paint skills, là. Il va m'être utile, t'as même pas idée, là. T'as même pas idée. C'est vrai que toi, tu sers de paint tout le temps. Genre. Voyez-vous le 666 qui apparaît dans l'étang? Voyez-vous? Je le vois. Bon, c'est genre de, tu sais, c'est très, très, tu modifies ton PNG, tu drops ça là. Autre chose que je vais montrer, mettons, voyez-vous, tu sais, ça, cette petite image-là de Max Fecto que je vais zoomer in, là. Ça a été de l'ouvrage, là, à vouloir coller ça dans un Game Boy à cause que c'est les résolutions, voyez-vous. Mettons, je mets cette image-là. Là, à droite, c'est marqué « Background contain too many unique 8x8 titles ». Fait que là... C'est tout marqué qu'est-ce qui correspond pas. Qu'est-ce qui fait que ça marchera pas dans un Game Boy. Il va te le launcher pareil, mais ça se peut que ça bug. J'ai fait beaucoup de tests pour être capable d'arriver à cette espèce de guenille-là. Ça, c'est vraiment, comme je disais, un peu le template pour apprendre comment ça marche. Tu vois tes events. Voyez-vous, ici, tu as un petit bonhomme. Mettons que j'arrive sur ce petit bonhomme-là. Quand j'arrive sur lui... C'est ton pass que tu peux faire. Tu t'interacts. C'est ça, ça dit. Taton passe. N'importe quoi. On entend Matt rire d'ailleurs. Bienvenue, Matt, dans ce post-stream. Continue. Fait que tu peux vraiment tout changer tes textes. Un peu tantôt, je parlais d'histoire du dildo. Je n'ai même pas testé si mon dildo était oui. Là. Attendez, je vais refaire le test. Je suis encore dans le basic, vraiment, là, mais. Ouais. Quelqu'un qui a moindrement de connaissances en programmation peut facilement se retrouver là-dedans. Puis l'univers des possibilités, man, lui appartient. Là. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux arriver avec tes assets. Tu peux faire ce que tu veux. Ah, t'as caché une cave là, toi. T'es donc intelligent. Drette en arrière de l'arbre. Mauvais game design, Godry. Il found dildo. Wow, found dildo, man. Okay. Il
Qu'est-ce que tu fais avec le dildo? Ben là. Puis là, ça, cette espèce de sortie-là, ben, je l'ai reprogrammé pour sortir en arrière de l'arbre, mais faire attention. Parce que là, si je le ressors directement en arrière de l'arbre, il rentre dans l'arbre. Fait que tu fais une boucle. Okay. Que tu bugs ton jeu, tu t'offres là. Fait que là, faut que je le mette un petit peu de même, ouais. Ou sinon, ça marche pas. Ah, mais c'est vraiment du mauvais game design que t'as fait là. Comment qu'on fait pour savoir qu'il y a une chose là? Faut checker tout comme des retards, comme des toqués, comme tu fais. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est moi qui l'ai décidé. C'est toi qui décides. Ah. Tu décides tes collisions, regarde. Quand j'ai vu que je pouvais faire ça, ben là, regarde, t'as tes murs. Normalement, tu mets tes murs de même, tu dis, bon, je peux pas aller en arrière de l'arbre. Mais tu sais, moi, j'aime ça aller en arrière d'un arbre, tu sais, j'aime ça, tu sais, genre explorer puis trouver des choses. Il va se crosser d'après moi en arrière de l'arbe. Fait que c'est ça. Fait que là, vas-tu sais, mettons, vous voyez, la petite efface, c'est pour effacer des collisions. Fait que c'est comme pour limiter ton screen. Fait que mettons, je dis ça, je pourrais comme locker mon bonhomme, là. Vas-tu vas le locker, c'est mettons, que je start ici, là. Okay. Il va être pogné là-dedans, là. Ok, puis là il pourra plus sortir. Fait que tu peux faire des jeux trolls où ce que le monde n'y a pas de chance de rien faire. C'est comme un jeu d'avant-garde, on va dire, là, sans dire que c'est un jeu de merde là. Mais... Docteur Fecto, continue. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Matt, à la date? En théorie, regarde. En théorie, je peux pas sortir mon pâturage là. Ah. Fait que tu sais, c'est vraiment. Moi, j'ai pas la prétention de faire un tutoriel avec vous autres, mais. Il y a quelque chose à aller chercher avec ça, puis j'ai beaucoup d'idées, puis je pense que c'est... J'avais commencé avec Unity, puis sur les plateformes Android, puis tout ça, pour le Dreamcast, mais ça m'interpelle encore plus, là, vu que c'est le Game Boy, puis c'est une console que j'ai appréciée, puis j'apprécie encore, puis la musique qui touche le Game Boy, c'est hot. Il y a quelque chose de minimaliste là-dedans, puis je pense que ça va... j'ai envie de pousser un jeu, sans dire que c'est toi, Max, le Dr. Fecto, tu sais, je disais ça en joke, là, mais... Tu sais, je veux pousser une idée vraiment plus loin, puis peut-être même à impliquer du monde là-dedans pour les graphiques, puis la musique, tu sais, j'en suis rendu là, là. Tabarnak, on aurait pu. Comment vous trouvez ça, les gars? Matt, qui vient de se joindre à nous, ça a-tu l'air cool? Ben oui, ça a l'air super, ça. Beaucoup de pertes de temps possibles, hein? Non, c'est ça. L'univers des possibilités est extrême, puis là, c'est comme ce que tu peux même faire des petits graphiques en paint, puis les dropper là-dedans. Ouais, là, ouais, ouais. C'est vraiment des beaux skills à peindre, en tout cas, je suis impressionné. Merci, David, merci. Avec moi et d'autres mondes, il est considéré comme The King of Paint avec tous ses super montages. Ça, que, bon ça dit que c'est quelque chose quand David te dit que t'es bon. C'est vraiment mes œuvres d'art que j'ai dans mon ordi. Oh. Mais grave. Malade. Vraiment cool, mon mec. Fait que c'était ça en gros, man. Fait que mes paint skills, les gars, vont pouvoir me servir. Je vais aller voler des assets de plein de jeux, puis je vais les mettre dans mon jeu, puis tu vas voir. Fuck Photoshop, man. Comme le jeu que c'est un indie sur Nintendo Switch, puis qu'il y a la toune d'Ocarina of Time, genre en arrière, Zelda Lullaby. C'est genre, oh, ok, c'est un petit peu étrange. Mais je suis très impressionné, mon mic, sérieusement. C'est vraiment cool, puis. Ça, les gars, c'est disponible, c'est gratuit. Ben, vous pouvez donner un montant X, mais c'est disponible, c'est gratuit. Tant pis, j'ai l'adresse ici, là, peut-être que j'ai perdu genre. Ok, au départ, je pensais que tu disais que ton jeu était gratuit, je respecte. Chris de Mick. Ouais, tu me shooteras la ROM, ce jeu-là. Fait quoi, c'est GB Studio. Puis faites une recherche, vous pouvez downloader l'engine. Hey, bon, c'est tellement heureux, les gars, fait que bonne soirée. Hey, yo, mon Lepage et Noé, on coupe ça dans pas trop long, là, fait que... Yes. Yo, yo, yo! Excellent! Salut, Jason! Yo! Yo! Ouais, fait que, Chris, mon mic est vraiment impressionné, c'est vraiment cool. Fait que, je vais travailler là-dessus, les gars. Mon prochain point and click, je suis le prochain... comment je pourrais dire? Le prochain qui? J'essaie de prochain trouver le prochain gars, était comme le gars pour le prochain Ron Gilbert des jeux d'aventure, les gars. Ron Gilbert, c'est lui qui est responsable de Monkey Island puis Day of the Tentacle. Fait que... Day of the Tentacle, puis quoi, puis Monkey Island. Ok, bref, il va y avoir de la compétition. Fait que les gars, je vais vous remercier d'avoir été avec nous. Est-ce que vous êtes enchéré, mon mec? Non, mais à un moment donné, peut-être que je vais vous proposer mon jeu, les gars. Malade. C'est pas dans une version collector, ton jeu. Comment t'as dit ça, le Samson? Faut avoir une version collector de ton jeu.
Vas-tu lui mettre une mèche de mèche? Vas-tu la mettre de scellée d'un c'est père ça. Pour que ça prenne de la valeur? Ouais, c'est ça, là. Une mèche de ses joues. Ouais, c'est que ça n'a pas d'allure. Fait que, fait... Les gars, c'est vraiment cool. Merci d'avoir testé, justement, cette nouveau feature qu'on va avoir. Là, faut apprendre juste à tout parler ensemble de même. C'est plus chaotique la première fois, mais on va finir par s'habituer. C'est vraiment hot. Puis vous sonnez bien quand même. On risque... de se faire du fun dans les post-stream. Fait que merci tout le monde. On se revoit dans le prochain épisode ou sur Rocket League. Yo! Bye tout le monde! See ya!